Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool Mike et dans cette vidéo, je vais vous parler de la meilleure arme sur la map Fire by the Z. Alors la meilleure arme, c'est tout simplement l'arme spéciale de la map, car elle est surcheatée. Alors là, je vais vous apprendre quelque chose, peut-être ou peut-être pas, peut-être que vous le savez déjà, mais moi on me l'a appris hier, c'est mon poteau Valentin qui me l'a appris. Franchement, grosse dédicace à toi poteau. Et en fait, cette arme, elle a déjà deux modes de tir, donc ça je le savais. Donc elle a le tir qui est une sorte de mitraillette à tir d'énergie d'éther. Et quand vous faites flèche du haut, vous pouvez lancer une sorte de mine d'énergie d'éther. Et c'est là que la puissance de cette arme prend tout son sens. Parce qu'en fait, cette mine, elle a une particularité que je ne savais pas. Quand vous allez tirer la mine au sol, déjà, elle va ralentir les zombies, donc ça c'est cool. Ensuite, si vous tirez sur la boule du haut, la zone d'effet de la mine va commencer à grandir. Ce qui va toucher plus de zombies et qui va ralentir plus de zombies. Faut savoir que là, je suis dans les manches 20 et franchement, les zombies se font one shot avec cette boule. Logiquement, à la manche 45, les zombies auront le double de vie. Donc, je pense que ça sera quand même efficace en haute manche. Et au bout de la manche 45, les zombies n'augmentent plus dans leur jauge de vie. Donc, faudrait tester cette technique à la manche 45. Mais je pense que ça peut quand même presque les one shot à la manche 45. Mais c'est pas tout parce que, ok, vous pouvez agrandir la zone en tirant dans la boule. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est que si vous tirez plus ou moins 8 balles dans la boule, vous allez voir qu'elle va exploser. Alors cependant, vous ne devez pas être à l'intérieur de la zone d'effet. Parce que si vous êtes à l'intérieur de la zone d'effet, vous pouvez tirer 50 balles dans la boule n'explosera pas. Parce que vous êtes dans la zone d'explosion. Mais si vous êtes à l'extérieur de la boule va exploser et va faire décoller tous les zombies. Donc c'est super, super cheaté, c'est super puissant. Et c'est ça que Valentin m'a fait découvrir hier, donc je me suis dit, obligé, il faut que je vous fasse une vidéo pour vous tenir au courant de ça, parce que ça se tombe, il y en a plein d'entre vous qui ne le savent pas. Donc voilà, pour moi maintenant, cette arme, c'est la meilleure arme de Fire by Z. Ensuite, il y a les deux pompes qui sont vraiment cheatées. Il y a le couteau aussi qui est super cheaté, que vous allez pouvoir one-shot jusqu'à la manche infinie, si vous l'avez amélioré au maximum et que vous l'avez en rareté légendaire. Et après, ben, il y a le bazooka RPG, qui est complètement dingue contre les boss parce que ça les one shot quasi. Donc voilà pour cette petite vidéo des meilleures armes de la map Fire by the Z. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace. Dumb, 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 dumb